Voilà, bonjour, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que plusieurs personnes sont en train de dormir. Et après la nuit de la turbulence prophétique. Donc, je tenais. Je tenais à. Je tenais à présenter mes excuses et à demander pardon à tous ceux qui ont subi le préjudice pendant cette nuit de prière, à ces centaines de personnes qui n'ont pas pu avoir une place assise pendant la nuit de prière, la nuit de la turbulence prophétique. À ces centaines de personnes qui n'ont même pas eu la grâce de voir l'intérieur de la salle parce qu'elles étaient dehors, parce que c'était bondé. Et aussi à toutes ces centaines de personnes qui étaient assises à même le sol parce qu'il n'y avait plus de chaises, il n'y avait plus de place. Je suis brisé dans mon cœur, je suis attristé profondément depuis mon retour. J'arrive pas à dormir en fait. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça et je demande aussi pardon à toutes ces personnes parce que je n'imagine même pas le préjudice que ça a dû créer à plusieurs. Je me souviens que quand je suis arrivé avec le chauffeur, plein de monde était en train de rentrer en fait. Nous-mêmes, il y a un monsieur qui nous a barré la voie, qui disait non, ça vaut pas la peine d'aller. Hein. Il y a même pas où mettre les voitures. Le parking d'à côté qui pouvait prendre plusieurs. Au moins 250 voitures étaient pleines. Il n'y avait plus de parking. Donc le monsieur nous a dit non, ça ne vaut pas la peine. Et moi, je suis en train de rentrer. Donc, je suis attristé. Je demande profondément pardon à tous les bien-aimés qui ont été. Et qui se sont sentis un peu évincés, en fait. Parce que j'imagine un peu ce que ça fait de quitter, prendre l'avion d'un autre pays. De venir et de ne même pas avoir l'occasion de voir le prophète. Et je me suis senti un peu dans l'insatisfaction. Parce que je n'ai pas imposé la main aux malades qui étaient là et puis même à certaines personnes dans la salle. Parce qu'il n'y avait pas moyen de passer en fait. C'était impossible de circuler parce qu'il n'y avait plus de couloir. Et je pense aussi qu'avec la pression du temps, je n'ai pas pu donner tout ce que j'avais à donner. Certainement, je me rattraperai ce dimanche à partir de 8 heures, de 8 heures jusqu'à 13 heures. Et ce sera au niveau du salon River, 11 boulevard Georges Méliès, 94 350 Villiers-sur-Marne. Je répète, ce sera au salon River, 11 boulevard Georges Méliès, 94 350 Villiers-sur-Marne. Ce sera pour le service d'impartition. Je pense que là, au moins, je tirerai ma satisfaction et ma revanche. Parce que j'imposerai les mains à tous ceux qui seront présents et l'huile sera versée sur leur tête. Ça, c'est clair. Vous savez, mes amis, lorsque déjà beaucoup de personnes ont écrit, j'ai vu des commentaires des gens qui disaient, je suis venu étant malade, mais quand le prophète a proclamé, j'ai reçu la guérison. Et je pense que c'est l'une des premières fois où nous expérimentions une nuit avec autant de guérisons, autant de miracles, autant de prodiges. Autant de manifestations de la puissance de Dieu. On a vu les gens jeter leurs béquilles, marcher. On a vu des estropiés, des paralysés, marcher, ceux qui ne voyaient pas, voir. On a suivi des témoignages extraordinaires de personnes qui n'avaient pas d'enfants depuis plus de 10 ans, recevant une parole prophétique et Dieu leur a donné un enfant. On a suivi les témoignages des femmes qui avaient les fibromes, les myomes, les kystes, qui avaient des maladies compliquées depuis 30 ans. Disant que à la présence de la maladie empêchait la personne d'accoucher, la personne en écoutant simplement la prière est repartie à l'hôpital, la maladie de 30 ans a disparu. Donc, on était débordé par les signes, les prodiges et les miracles. Ça montre combien le peuple de France a soif de Dieu. Donc, je me sens insatisfait de ce programme parce que je n'ai pas prophétisé sur un grand monde, sur un grand nombre de personnes. Et je pense que je vais me rattraper à la conférence d'impartition. Et comme je l'ai expliqué,
La conférence d'impartition, c'est pour les Joseph d'Arimathée, pour nos partenaires. Vous voulez être partenaire de ce ministère. Vous vous attendez aussi à Dieu dans quelques domaines de votre vie, que ce soit. Je pense que j'ai l'étoile brillante qui dit merci beaucoup, prophète Ferdinand Ikane, j'ai reçu ma guérison. Et là, c'est Pipi qui dit, soyez immensement béni au nom puissant, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je pense que ce dimanche, et pour la conférence d'impartition, comme j'ai demandé, c'est pour ceux qui veulent soutenir la mission avec le montant que Dieu mettra dans leur cœur. Donc, c'est ceux qui veulent soutenir ce que nous sommes en train de faire, l'œuvre de Dieu qui m'a été confiée, que ce soit en Afrique, pour que cette flamme puisse aussi atteindre d'autres nations. Ceux qui disent non, je ne resterai pas indifférent, je poserai un acte moi aussi envers Dieu, qui veulent faire quelque chose, toucher le cœur de Dieu, qui est la mission. Parce que vous savez, le ministère, c'est la mission. Le ministère, c'est la mission. Donc, tout cela, rendez-vous est donné ce dimanche. Donc, dans moins de 24 heures, ce sera au Salon Rive, 11 boulevard Georges Méliès, 94 350 Villiers-sur-Marne. Donc, soyons très nombreux de ce côté-là. Comme j'ai dit, on n'a pas voulu arrêter le plafond à 300 euros ou à 1000 euros, 500 euros, bien 100 euros. Nous sommes descendus jusqu'à 10 euros. Je veux que tout le monde puisse être là. Donc, si tu as ta contribution pour le ministère et tu veux dire, Seigneur, je veux être une bénédiction pour cette œuvre-là, pour qu'elle aille de l'avant, pour que le mouvement prophétique qui a été lancé à travers moi, à travers la nuit de la turbulence prophétique, puisse s'installer, se stabiliser en France et dans d'autres nations, alors tu peux être mon invité et ne manque pas. À l'entrée, des badges seront remis à tous ceux qui seront présents. Et j'aurai l'occasion pour les célibataires aussi. Vous êtes célibataires, vous avez connu des déceptions sentimentales, des déceptions amoureuses, et vous comprenez que cette affaire, si vous dépasse, il n'y a que Dieu pour vous bénir, pour vous aider à trouver votre âme sœur. Ne manquez pas. Le séminaire sur les célibataires, ce n'est pas payant. Il n'y a pas d'argent à donner. L'entrée est gratuite, ce n'est pas pour les partenaires, l'entrée est gratuite. En même temps, vous pouvez être célibataire et partenaire en même temps, vous voyez. Donc, j'aurai 2 heures de temps avec les partenaires de 9h à 11h et puis de 11h à 13h. Ce sera le moment pour le grand séminaire, pour t'introduire, te préparer pour une saison que je vois devant toi, qui est une saison de stabilité sentimentale. Tout le monde mérite le bonheur. Beaucoup de personnes disent l'amour n'existe pas. Ce n'est pas vrai. L'amour existe. Beaucoup d'hommes disent que les femmes sont des trompeuses. Beaucoup de femmes disent les hommes ne sont pas sérieux. C'est très faux. C'est parce que vous êtes tombés sur de mauvaises personnes. Alors ne globalisez pas votre expérience. Ne perdez pas espoir. Il y a quelqu'un pour vous. Il y a une femme quelque part pour vous. Vous n'avez juste pas encore trouvé. Il y a un homme quelque part pour vous. Vous n'avez pas juste croisé jusqu'à présent. Donc, cette rencontre sera prophétique. Ce séminaire va créer des rencontres prophétiques. Je vous dis la vérité. Pour ceux qui ont la foi, avant la fin de cette année même, Dieu te fera trouver l'homme de tes rêves et la femme de tes rêves. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Je voudrais, donc si vous êtes célibataire, ne manquez pas. Il faut vous déplacer. La conférence, je répète, elle est gratuite. Elle sera de 11h à 13h. Salon River 11, boulevard Georges Méliès, 94 350 Villiers-sur-Marne. Dans tous les célibataires, on se retrouvera là-bas. Ça sera très fort, ça sera puissant. Et je veux prier sur les malades qui seront présents. Je veux vous imposer les mains. Ça, c'est clair. J'imposerai les mains à tout le monde. Et l'huile de faveur sera disponible pour tous nos partenaires qui vont soutenir le ministère à partir de 50 euros en montant. L'huile de faveur leur sera donnée gratuitement. Vous aurez votre bouteille d'huile de faveur. Il y aura un service d'impartition. Et le Seigneur vous bénira. Donc, l'huile de la royauté sera versée sur ta tête. Les malades, je n'ai pas pu mettre la main sur vous. Ce dimanche matin, je mettrai la main sur tous les malades. Dieu vous guérira. Et les célibataires, je le répète et j'insiste, ta saison est arrivée. Il fallait juste un prophète pour t'aider à entrer dans ta saison. La Bible dit que par un prophète, Israël fut sorti, appelé hors de l'Égypte, qui représente la maison de la servitude, le célibat, la souffrance, la misère, les blessures de la vie, les contusions. Et la Bible dit que par Israël, par un prophète, Israël devint une nation. Vous voyez, ça dit que la destinée d'Israël fut accomplie. Donc, par un prophète, tu seras appelé hors
du célibat, hors de ta maladie, hors de la pauvreté, la promiscuité dans laquelle tu vis, la précarité dans laquelle tu vis. Et par un prophète, tu deviendras la femme que Dieu veut que tu sois. Tu deviendras l'homme que Dieu veut que tu sois. Donc ne manque pas. Je voudrais dire merci à tout le protocole qui a été là, qui s'est manifesté puissamment, qui a agi avec zèle et dévotion. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. J'ai eu l'occasion de voir certains de mes enfants en face, comme Chacha James. Et beaucoup d'autres, je les ai vus face à face, ceux que je vois souvent sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Et ma joie est parfaite. Merci à toutes mes équipes, à toutes les mamans, à toutes les sentinelles, à tous les frères qui se sont démarqués par le protocole. Je vous dis un seul mot, vous êtes bénis au nom souverain de Jésus. Donc, note ça dans ton agenda. Ce dimanche, ne manque pas le grand rendez-vous prophétique et d'introduction dans ta destinée prophétique dans le salon River, dans la salle de conférence. Des salons River 11, boulevard Georges Méliès, 94, 350, Villiers-sur-Marne. Pendant que tu viens, que le Seigneur te bénisse et je prie que Dieu vous donne la force de me pardonner le préjudice que moi et mon équipe, nous vous avons fait subir. Et je prendrai des résolutions. Nous avons pris une salle qui prend 2000 places au maximum. 2000 places au maximum, sans chaise, avec les chaises collées. On a empaqueté les gens comme dans une boîte de sardines. Mais jusque-là, on n'a pas pu, vous voyez. Donc, je pense que par la grâce de Jésus-Christ, ça ne se répétera plus. Je serai là en décembre pour introduire quelqu'un dans l'année 2024. Je ne peux pas manquer. C'est l'hiver. Je suis très allergique au froid, mais je ferai tout pour être là en décembre. La date vous sera donnée lors de mes prochaines directs. Je serai là en décembre. Certainement la troisième semaine de décembre. Je passerai la troisième semaine de décembre ici avec vous. On prendra une grande salle et les gens viendront de partout. Et pour me rattraper, des mouchoirs où ils seront distribués à tout le monde et gratuitement. Donc on imprimera des mouchoirs, on les donnera à chacun. On va prier. Je vous enseignerai sur le mystère de France. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Dimanche, ça sera redoutable. Ça sera puissant. À la nuit, la turbulence prophétique, ça a été redoutable. J'ai dit merci à mon frère bien-aimé, l'évangéliste J.P. Makanzo. J'ai dit merci à Maman Makanzo, merci à toutes leurs équipes, à tous leurs enfants et leurs fils. Merci à mon fils Lumière et à son épouse et qui sont démarqués. Merci à toute l'équipe musicale qui était dans l'esprit, qui n'était pas déconnectée du tout. Merci à tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre à l'organisation de la nuit, la turbulence prophétique. Je vous aime énormément. Et je vous suis reconnaissant fortement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse les îles, que Dieu bénisse la Belgique, tous ceux qui sont venus d'autres nations, que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. À dimanche, dès 9h, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, au niveau du Salon River 11, boulevard Georges Méliès, 94-350 Villiers-sur-Marne. Et s'il y a une abondance de personnes, débordement de personnes, je ferai en deux. Je ferai l'impartition en deux sessions, d'une heure de temps chacune. Voilà, donc certaines personnes patienteront une heure de temps et d'autres vont entrer. Donc je dis encore que, on dit que les guérisons continuent, oh mon Dieu. Et c'est vrai, on n'a pas pu prendre les témoignages entièrement. Des centaines de personnes ont été délivrées. Au Salon River, je veux prophétiser. Ceux qui ont soif d'écouter la voix de Dieu, je vais enseigner un peu. Et je veux parler, je veux me déployer dans le prophétique, dans la guérison et dans la délivrance. Donc, les malades qui ont tellement eu soin, besoin que je mette la main sur eux, je mettais la main sur vous. Ça, c'est clair. Je vais me poser la main à tout le monde, à tous les malades, et Dieu vous bénira. Donc, ne vous découragez pas, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, je demande pardon, pardon. Trouvez de la force dans vos cœurs pour me pardonner. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Donc, je suis à Paris. On va finir avec la conférence des partenaires et d'impartition. Et nous allons, j'irai après cela à Lille chez mon frère bien-aimé, l'apôtre J.P. Makanzo. Après, j'irai en Belgique chez papa, l'apôtre Tony Silassi, à qui je dis merci pour l'amour. Et aujourd'hui, la famille s'est agrandie. Dieu t'a donné notre fils. Et notre guéri, que Dieu te bénisse, papa. Alors que le Seigneur vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Bon repos à chacun d'entre vous. Je ne sais pas si je trouverai le sommeil, sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Bye, shalom.